En 1940, Adrien Lichtenberger avait 12 ans. La guerre l'a frappé dans sa tendre jeunesse. Il a passé ses 4 années de tourmente dans la maison familiale de Wettolsheim. Il se souvient. En 1938, il y avait la drôle de guerre, comme on dit. Il y avait quelques classes qui ont été mobilisées. Et c'est là que le village a subi les premiers cantonnements. Mais cantonnements uniquement au château, dans la salle de musique et la salle gymnastique. Donc ce n'était pas une unité complète. Et vient donc 1939, où il y avait la mobilisation générale. Alors là, c'était autre chose. Il y avait tous les jeunes gens et tous les hommes de certain âge qui ont dû partir. Et au début de septembre, on commençait à avoir des soldats en cantonnement. Donc les premiers, c'était des joyeux, comme on les appelait à l'époque. C'était tous des détenus qui sont enrôlés volontairement. C'était des volontaires pour la durée de la guerre. Et après ça, au mi-octobre, il y avait le 44e régiment d'infanterie qui avait venu s'installer à Wettolsheim. Donc il y avait plus de militaires que d'habitants, vu que les différentes classes étaient parties. Et parmi ces militaires, il y avait 33 prêtres. Donc à l'époque, chaque prêtre devait lire sa messe. Et comme ça, moi qui étais servante messe, j'ai servi 3 offices chaque matin avant les classes, avant l'école. Et ce régiment, il est parti mi-janvier avec moins 15 de froid et sur du verglas. Et jusqu'à Gundolsheim, le régiment avait perdu une vingtaine de chevaux. Ici, on est devant l'emplacement du restaurant, à l'époque, restaurant de la Grotte. Alors, le 19 juin en 1940, vers les 3h30, comme on était encore jeune, on était devant la porte pour attendre ce qui devait venir. On entendait des cris, « Tchouva, comment ?» Ça veut dire « les poches arrivent ». Et puis, effectivement, il y avait un sidecar qui venait avec la mitrailleuse devant sur le capot. Et dans le restaurant, il y avait encore 3 militaires français qui attendaient leur destin. Et quand ils ont entendu que les poches arrivent, ils sont sortis, les mains en l'air, contre le mur. Et puis, l'Allemand, un officier ou un sous-officier, je ne sais pas. Et le sidecar s'est arrêté, le sous-officier leur disait « Allez-vous-en, rentrez chez vous ». Et ils partaient de ce côté pour faire le tour du village. Entrez, monsieur. Voilà, donc ici, c'est ma maison paratale. C'est la maison qui elle a été réquisitionnée en 1943 pour prendre des réfugiés allemands de la ville de Bochum, qui était sinistrée, puisque en 1943, les Américains commençaient à bombarder toutes les villes allemandes. Et donc, c'était des réfugiés qui avaient tout perdu. C'était 6 personnes. Donc, impossible de parler un mot français. Si aussi, donc, pendant ce temps-là, comme on avait un maire qui était en même temps
Ortsgruppenleiter, ça veut dire qui faisait chef du parti. Donc le village était assez au courant. Quand il y avait par exemple les contrôles du bétail, des poules, des porcs, évidemment des vaches aussi, ou bien des chevaux qui restaient encore, ou bien des bœufs. Et en plus, bien sûr, pour ne pas être hors normes, les volailles et tout ce qu'il y avait de trop dans la basse-cour ou dans l'écurie. Donc, le matin, on mettait tout ça sur une charrette, on chargeait un peu de foin autour, et puis on les partait pour aller dans la forêt pour les cacher pendant la journée. Et donc, le soir, quand le contrôle était parti, tout le monde revenait de nouveau dans le village. Et voilà que Bettolsheim était un village en ordre. Eu une autre convocation pour aller faire des travaux de fortification dans les Vosges. Et donc, il fallait de nouveau se présenter à Colmar. Destination est connue. Et comme ça, on est arrivé à Schirmeck. Et de Schirmeck, on a dû monter au Donau. Et là, on logeait dans une ferme. Et chaque matin, il y avait appel. Et puis, chaque commando partait avec une sentinelle pour faire ses travaux. Et en même temps, la nuit, il fallait monter la garde. Et c'est là que je passais ma première garde avec mon ami Amy Stenz. On passait donc 2 heures à faire la route de la ferme. Mais comme c'était vraiment une belle nuit d'hiver, au clair de lune, avec 10 cm de neige, on était vraiment une cible si jamais il y aurait eu un adversaire. Et c'est là qu'on a dit, bon, on va rester bien camouflé dans un coin, parce que ceux qui auraient dû nous attaquer, ça aurait été des Français. Alors que faire? Et comme ça, on a décidé que si jamais il y aurait eu une attaque, on aurait tiré en l'air. Et c'est là qu'on a pris un peu la conscience pour ce que devait être pour un malgré nous, qui avait comme adversaire soit un Français, soit un Anglais, soit un Américain ou Russe, alors que tous ces gens-là étaient nos alliés. Voilà, c'est ici que se trouvait le garage de l'armée allemande de 1944 du mois de décembre, janvier. Et donc, il y avait 2 camions sous le hangar qui étaient installés en lieu des pièces de rechange. Et toutes les voitures de l'armée allemande du secteur 3CP, Liège, Wallitmünster et jusqu'à la forêt de la Harte à Colmar venaient. Quand il y avait des réparations, auto ou moto, pareil. Et donc, c'est là où se trouvait le barrage, ce fameux barrage. Donc, j'ai été réquisitionné avec les autres hommes qui restaient encore dans le village pour faire les barrages anti-chars. Donc, ces barrages consistaient à rentrer à des bois de 2,50 m. Il fallait les entrer, les enterrer à environ 1,20 m. Mais comme le gardien qui nous gardait,
Il était un peu avec un verre de vin ou comme ça, un peu inattentionné. Donc, on lui rentrait 50 cm, 30 cm, 50 cm, c'est tout. Et puis, il fallait les remplir. Alors, les pieux, c'était juste jusqu'à la moitié de la route pour laisser passer le reste. Et à 2 mètres plus loin, il y avait un autre parage de ce côté et pour laisser passer de l'autre côté les gens à pied. Voilà. Voilà, donc l'emplacement du deuxième barrage, puisque dans toutes les routes sortant du village, il y avait un barrage. Et c'était la même façon que là-bas, donc, mais ici, il y avait uniquement des piétons qui pouvaient passer, puisque les deux rangées étaient assez rapprochées. Donc il n'y avait pas de moyen de passer avec un sidecar ou bien une moto. Et le soir de la libération, donc le soir du 2 février, il y avait les chars qui sont montés ici. Et avec un treuil, on a arraché les pieux un après l'autre. Et comme ça, après un quart d'heure, 20 minutes maximum, les chars pouvaient passer, se placer dans la cour du château. Voilà, ici, on est dans la route du vin, mais à l'époque, à partir du mois de décembre, début décembre, il n'y avait plus d'eau, plus de gaz, plus d'électricité. Donc, c'était le puits, la rue de l'eau, avec une pompe qui a été mise à disposition par un voisin. On a pompé de l'eau, puisque là, il y a un puits qui date, je sais pas, du Moyen-Âge ou je sais de quand. Et là, chaque matin, pendant toute la journée, il y avait la pompe et puis on venait chercher l'eau comme en Afrique ou dans les pays chauds. Évidemment, il fallait encore chercher l'eau pour le bétail. À l'époque, il y avait encore beaucoup de bétail, des vaches. Alors, il fallait chercher l'eau pour toute la ferme. Voilà. Et les jeunes filles? Alors, évidemment, nous, comme on était encore gamins, qu'on voulait déjà être galants, on se mettait à la disposition des jeunes filles quand elles arrivaient là pour chercher puiser l'eau. C'est nous qui leur remplissions les seaux, puisqu'elles venaient toujours avec deux seaux, hein, pour garder l'équilibre. Alors c'est nous qui remplissions les seaux. Voilà, donc ici, comme on avait encore une famille de Colmar, avec un couple avec un enfant de mon âge qui aurait dû partir à la Wehrmacht, donc il était réfugié ici, il était caché ici. Il sortait uniquement le soir, la nuit, dans la cour. Et puis le 31 janvier, donc il y avait encore une fouille de gendarmes militaires allemands. Et puis ils sont venus te monter, là, les militaires qu'on avait encore en cantonnement, ils ont vu des jeunes gens. Alors eux, ils ont dit non, mais ils voulaient quand même le voir. Et ils sont venus jusqu'à l'étable, ici. Et c'est là-dedans que ce garçon, M. Pléché-Janot, a été caché sous le mouchoir. Mais comme il n'y avait pas d'électricité, c'était le matin déjà encore à 8h, 8h30, ils ne l'ont pas vu et ils sont repartis et celui-là, il a pu rester là. En
En automne 1941, on a eu quelques prisonniers polonais, une vingtaine dans le village, qui sont restés jusqu'à la libération. Ça veut dire qu'ils sont restés toute la guerre, et quand il y avait la poche de Colmar, les Allemands ont voulu les déplacer et les reprendre en Allemagne, mais ils se sont cachés dans la forêt, là, et puis il fallait les nourrir pendant tout ce temps-là jusqu'à la libération. Et ils sont restés encore après, jusqu'à la fête de la libération du village, et même trois qui sont restés plus tard. Et le 30 décembre, j'ai encore reçu une autre convocation pour aller à Colmar, se présenter à Colmar. Mais on n'y était pas, on n'a pas donné suite. Et le 30 décembre, l'appariteur Lucien Muller a dû répandre la nouvelle que dans chaque famille de ces convoqués, qu'il ne faut pas suite. Cet après-midi, il y aura une personne de fusillée. Alors évidemment, on était quand même, je me suis présenté avec deux copains et il fallait aller à Colmar. On a au loge de l'école Saint-Joseph et de là, chaque nuit, il fallait aller à pied jusqu'à Niedermorschwihr pour faire les travaux de fortification là-bas. Et c'est bien sûr en cours de route qu'on a eu bien des fois qu'on s'est couché dans la neige pour échapper aux obus, pas aux obus, mais aux éclats. Et donc, avec ça, je me suis porté malade mi-janvier. Et après avoir passé à l'infirmerie qui était placée sous la préfecture, la première et la seule fois que j'ai visité les CAF de la préfecture. Donc j'ai été hors service pendant 2 jours et avec ça j'ai eu la permission de rentrer. Je suis rentré et notre ami le docteur Klimle m'a donné une ordonnance que j'avais les rhumatismes articulaires. Et comme ça, j'ai pu rester jusqu'à la libération. Aux alentours du 20 décembre, alors, que les villages Benwihr, Mittelwihr, Sickolsheim, Amerschwihr, Ingersheim, même Winsenheim, commençaient à être bombardés avec les obus et qu'il y avait déjà certains villages qui avaient brûlé, on commençait à avoir l'idée d'aller faire une baraque dans la forêt. Et comme ça, parce que toutes les familles, ils avaient leur baraque et nous aussi, avec notre voisin Man Huchen et son fils Jean-Paul, on était allé faire une baraque dans le Obersandweg. Et donc c'était un dernier refuge prévu, mais heureusement on n'avait pas eu besoin de ça, de cette baraque, si aussi il y avait un après-midi, il y avait 5 obus qui sont tombés au centre du village. Le dégât qu'il y avait, c'est qu'un obus qui a éclaté dans une grange, et donc une vache qui est mort avec ça, et il y avait 2 autres obus qui n'ont pas éclaté, heureusement, qui sont tombés dans une maison aussi, et les 2 autres sont tombés juste 50 mètres hors du village. Et comme ça, donc, il n'y avait pas eu de dégâts ni personnel, sauf la grange qui était tombée. Le 2 février, le jour de la libération, on voyait depuis chez nous, du grenier,
on voyait déjà deux chars français au pont de chemin de fer là-bas, là-haut. Et puis qui montaient la garde pour que le pont ne soit pas sauté, ne saute pas. Et de ce côté, vers les 4h30, il y avait deux chars qui venaient de Colmar. Et depuis la Croix-Blanche, à travers les champs, ils sont venus par là, ils sont rentrés dans la rue Hortemat. Et ils sont montés dans la rue Hortemat. Où ils avaient aussi les civils aidé les militaires à enlever les barrages. Le dimanche, toute la classe, là, on s'est mis avec les FFI. Et l'après-midi, on a vu un FFI plus âgé que nous, bien sûr, qui a déjà servi dans l'armée française, partir avec les Américains pour faire une patrouille vers la maison forestière, cette Gertrude. Parce que le dimanche matin, ils ont eu les nouvelles qu'il y avait des réfugiés civils dans cette maison là-bas, et puis ça a été occupé dans la nuit de samedi à dimanche par les SS. Mais quand la patrouille est arrivée, les SS étaient déjà partis. Et comme ça, c'était la libération. Au mois d'avril 1945, il y avait ici, sous ce hangar, de ce côté, il y avait 15 ânes. C'était des goumiers marocains qui étaient encore dormants ici. Et puis la section était sur la grange en haut, où il y avait encore la paille et le feu. Et que mon père avait vraiment de la peur parce qu'ils avaient allumé un bidon d'essence avec une mèche pour comme lampe de poche. Ce qu'il faut peut-être mentionner, c'est grâce à ces Russes-là de l'administration locale que le village a été épargné et qu'on a quand même, que tout le monde a survécu à cette occupation.